Ces images à présent d'une exposition de sculptures au centre universitaire, la Courtaisière à La Roche-sur-Yon. Depuis lundi dernier, Laurent Martinet a installé ses œuvres au beau milieu de la bibliothèque. Les visiteurs peuvent y découvrir des représentations essentiellement, vous le voyez, sur le thème de la mer. À noter d'ailleurs que Laurent Martinet travaille surtout avec des galets et du bois ramenés de la plage de Jarre-sur-Mer. Vous pouvez d'ailleurs rencontrer l'artiste et venir le voir travailler tous les après-midi en semaine, et ce jusqu'au 6 février prochain. Les femmes et les bateaux sont les thèmes récurrents de cet artiste. Laurent Martinet est un sculpteur du sud Vendée. Il travaille essentiellement le bois flotté. Il entame une série d'expositions. Pour l'instant, il est à la bibliothèque de la Courtaisière. Bruno Fèvre l'a rencontré pour nous. Ça, c'est du tuffeau. C'est des galets, en fait, de ramassés sur la plage de la Pointe d'Arcée, à la Faute. Laurent Martinet avait déjà présenté ses sculptures à la bibliothèque lors du tournoi international d'échecs. L'artiste du Sud-Vendée revient avec ses galets de tuffeau et ses bois flottés, sculptés et assemblés. Beaucoup de visages, beaucoup de, surtout pour l'expression, beaucoup de formes féminines, bien sûr, c'est quand même la beauté. Si la femme reste une grande inspiratrice, la marine à voile aussi, avec cette armada de vaisseaux fantômes. Les bateaux sont des bois flottés, c'est des bouts de bouchot, donc les coques sont travaillées de façon la sculpture classique à la gouge, et puis les voiles sont, ou les figures de proue sont des morceaux de fonte, la récupération de fonte. J'ai un ami qui est fondeur à Vouillé-les-Marais et je vais chercher les rejets de fonte. La bibliothèque universitaire est un lieu de découverte, raison pour laquelle Laurent Martinet a souhaité exposer. Et puis ici se croisent étudiants, enseignants et grand public. C'est une bibliothèque qui est également ouverte à tous les publics. Et donc, à ce titre, on souhaite avoir une programmation culturelle destinée à notre public privilégié, donc les étudiants, mais aussi au public extérieur. Les sculptures de Laurent Martinet sont présentées jusqu'au 6 février et l'artiste est présent tous les après-midi pour rencontrer les visiteurs. En mars, la bibliothèque accueillera une exposition sur le thème de la poésie.